Bien bonjour à vous les cuisiniers et les cuisiniers. Alors ça fait un certain temps que vous demandez par-ci par-là les références de tel ou tel produit, tel ou tel ustensile que j'utilise dans les recettes ou bien dans ma cuisine au quotidien. Donc on va faire simple, aujourd'hui je vous propose une vidéo setup, une vidéo kitchen tour, je ne sais quoi, où en gros je vais vous présenter la cuisine que vous connaissez déjà un peu, mais surtout, et c'est là que ça va être potentiellement intéressant, les robots, les ustensiles, les accessoires, voire même les épices et céramiques que j'utilise. Au passage, permettez-moi de vous annoncer une grande nouveauté, il y a désormais un shop YouCook, une petite boutique en ligne sur laquelle justement vous allez pouvoir retrouver une grande partie des ustensiles et accessoires que j'utilise et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le lien est en description, je compte sur vous pour aller parcourir cette petite boutique sympathique. Il y aura plein d'ajouts au fur et à mesure. Sachez qu'il n'y a pas que des ustensiles, il y a également des épices en recommandation, mais aussi des bouquins, parce qu'il y a pas mal de bouquins que j'aime bien et que je souhaite également vous recommander. Donc faites un tour et bien entendu, tous les retours sont les bienvenus. Je serai ravi de vous lire. Pour faire simple, on va organiser la vidéo de la manière suivante. On va procéder par ordre de grandeur, du plus grand au plus petit. Et dans la cuisine, qu'est-ce qui est le plus grand? Ha! La cuisine! Bah oui, parlons-en. D'ailleurs, bienvenue sur ce podcast en 2012. Aujourd'hui, on va parler des différents types de cuisine. Oh! Non, plus sérieusement, le but, c'est de vous parler un peu du volume de la cuisine pour vous projeter un petit peu. Si vous vous souvenez bien, dans les anciennes vidéos et vlogs, là j'avais une gazinière, juste à côté un mini plan de travail pour découper les aliments, juste là l'évier, ça n'a toujours pas bougé, et à côté un mini plan de travail sur lequel c'était souvent le bordel. Ici j'avais le frigo, juste à côté une mini planche improvisée sur laquelle je mettais le robot, et là l'espace ici c'est un grand placard de rangement. Ce que j'ai modifié dans la nouvelle cuisine, à part la couleur évidemment, en gros c'est l'ajout de deux énormes plans de travail. Ces deux plans de travail en chaîne massive viennent de Leroy Merlin, j'ai tout découpé à la main, y compris l'encastrement pour la plaque de cuisson, c'était bien chiant. Juste en dessous c'est du meuble bas de cuisine de chez Ikea, un peu plus classique. J'ai pris le parti de sacrifier le grand frigo pour mettre des frigos bas, donc ce que j'appelle moi les frigos étudiants, parce que quand on était étudiant, généralement on a toujours connu ces frigos. Mine de rien, je m'y suis fait, c'est cool. Côté découpe, j'ai rajouté plein d'étagères dans le petit encastrement, c'est des plaques en pin de chez Leroy Merlin. D'ailleurs, je tiens juste à le repréciser, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Je vais citer plein de marques. Le reste n'a pas changé, si ce n'est que sur cette zone, j'ai rajouté pas mal de verdure. On en parlera juste après. Voilà, c'était la partie plan au sol et volume, c'était plus pour vous projeter, parlons des choses un peu plus intéressantes. Avant ça, je vais juste prendre un café. Première partie, l'électroménager. On va parler des gros trucs et surtout les gros trucs qui chauffent en premier. Donc le four. Le four est un four de la marque Smeg, ça avait été une dotation, c'était très sympa. Smeg avait participé au lancement du YouCook et avait fait toute une dotation frigo, four, plaque de gaz, etc., etc. Et le four est très sympathique. Bon, au-delà de tous les modes de cuisson, du plus simple au plus complexe, ce que j'aime bien dans ce four, c'est qu'il est équipé d'une pierre à pizza. Et comme j'adore faire des pizzas, mine de rien, c'est assez pratique. Sur le design, on est sur du Smeg, hein, vous connaissez bien. On les voit sur beaucoup de plateaux de télé, dans toutes les cuisines un peu design, c'est assez joli. Quoique, en termes de commandes, il y a juste deux petites manettes. C'est un petit peu chiant. Je peux vous dire que quand quelqu'un ne connaît pas le four, c'est vraiment la galère pour trouver les modes, lancer, faire le start, on s'y perd, c'est vraiment mal fichu. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on l'a un petit peu maîtrisé, un petit peu adopté, là, ça fonctionne, ça reste un four qui marche très très bien. Et puis vraiment, mention spéciale pour les pizzas. La plaque des cuissons, quant à elle, est assez récente. Je l'ai achetée, justement, lorsque j'ai retapé la cuisine chez moi. Donc c'est une plaque de cuisson de la marque Asco. Je suis tombé dessus vraiment par hasard, parce que je cherchais à ce moment-là à avoir une plaque de cuisson avec un feu wok, parce que bah, c'est quand même sympa d'avoir un vrai wok avec un fond sphérique, ça fait le vrai wok du bled, c'est hyper agréable et hyper sympathique. Donc j'étais tombé sur un premier modèle au début qui était vraiment très long, vous avez la photo juste là. J'ai vu le prix, j'ai fait ah oui quand même, et je suis tombé sur le modèle juste en dessous qui était quand même sur un prix ah oui quand même, mais ça me suffisait amplement et sur les dimensions ça me semblait totalement honnête. Donc c'est une plaque de cuisson au gaz, vous savez que moi j'affectionne particulièrement ce mode de cuisson dans la mesure où on peut contrôler la température, on voit la flamme, enfin je sais que moi j'ai toujours cuisiné avec ça et c'est avec ça que je suis à l'aise. Sur cette plaque de cuisson, rien de spécifique à signaler, hein, ça reste une plaque de cuisson somme toute assez sympathique avec un feu wok qui est assez puissant. Ah si, précisons-le, elle est quand même relativement facile à nettoyer. Et ça c'est important parce que souvent les plaques de cuisson gaz, je sais pas, c'est mal foutu, il y a plein de rainures, il y a des plaques, des machins, et à nettoyer c'est l'enfer. Alors que celle-ci, pour le coup, on enlève tout, c'est facile à nettoyer. Bref, mention spéciale juste pour ça. Grande nouveauté de cette année, une hotte. Avant, si vous vous souvenez, dans les vidéos, je n'avais pas de hotte, j'étais obligé d'ouvrir la fenêtre. Maintenant, j'ai investi dans une hotte, c'est assez sympathique, c'est une hotte inclinée, c'est pas forcément le plus efficace ni le plus recommandé si vous voulez cuisiner. En revanche, je l'ai prise parce que bah, déjà, j'aime bien, c'est joli, mais surtout, c'était pour me permettre d'utiliser le fameux top shot que vous voyez sur toutes les vidéos.
avec une hotte classique, ça aurait été impossible en fait. Cette hotte, vous avez la référence qui s'affiche juste là, je sais absolument parce que c'est toujours des références avec des noms rallonges, des chiffres, des machins, des lettres. Bref, ce qui est sûr, c'est que je l'avais acheté chez Boulanger et elle était plutôt accessible en termes de prix. En termes d'efficacité, c'est pas le must, mais on va dire que ça fait le taf. Et puis merde quoi, j'ai une hotte quoi, c'est cool. Pour les frigos, j'en ai désormais deux, donc vous avez bien compris que ce sont des frigos d'appoint, donc des frigos bas, des frigos comme ils appellent tabletop, si je dis pas de bêtises. Enfin, vous le savez, moi j'appelle ça les frigos étudiants. L'avantage, c'est que bah, ça prend pas beaucoup de place, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a pas beaucoup de place, on le sait très bien. Mais mine de rien, je fais largement avec, c'est assez pratique. Le premier est un frigo de la marque Miele, donc c'est une marque que j'affectionne parce que c'est réputé pour sa qualité. D'ailleurs, si Miele vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas, hein, coucou. Je sais que vous faites des super aspiros aussi. J'aime pas passer l'aspirateur, mais bon bref. Je sais que vous faites des super fours combinés vapeur. Ce petit frigo Miele, il est équipé d'un petit congélateur. Je ne souhaitais pas forcément avoir un énorme congélateur parce que je l'utilise que rarement. Mais mine de rien, avec un petit peu de recul, j'avoue que j'aimerais bien congeler un peu plus, on va dire, de denrées et de volume. Le deuxième frigo, je l'ai juste pris à l'arrache, c'était pour avoir un deuxième contenant. J'ai même plus la marque, cherchais même pas, il n'y a même pas de poignée dessus. C'était vraiment le frigo d'appoint sans congélateur. J'aurais bien aimé faire un doublé de frigo bas 1000, mais pour le coup, on aurait réellement tapé les 1000 euros, vous voyez, par rapport au nom de la marque. Mille. Le lave-vaisselle, oui, parlons-en, parce que le lave-vaisselle fait partie intégrante d'une cuisine également, si on a la chance d'en avoir un. Il y a une petite histoire derrière, c'est également un Mille, mais c'est un très vieux modèle. La petite histoire, c'est que c'est la grand-mère d'un ami qui me l'a donné parce que ça traînait dans son garage, ça ne servait plus à rien, et en plus de ça, quand je l'ai utilisé, il ne marchait pas. Et j'ai un autre pote qui bricole très bien, qui a jeté un coup d'œil, et qui m'a dit, en gros, il y a juste un condensateur à remplacer. Littéralement, on a acheté le condensateur 17 balles, il me l'a remplacé et j'ai un lave-vaisselle qui fonctionne impeccable. C'est pour ça aussi que je disais que Miele c'est de la bonne qualité parce que bah, mine de rien il est quand même très très vieux et il marche vraiment super bien juste en remplaçant une pièce. Et ça c'est chouette. A nouveau, hein, Miele, si vous êtes dans le coin, je suis là. Deuxième partie, les robots. Ça. Magimix Cook Expert, vous l'avez vu dans certaines vidéos, j'ai travaillé avec Magimix, c'était très sympa, c'est une marque que j'apprécie énormément, et ça, c'est de la petite bombe. On peut à peu près tout faire avec cette machine. Son défaut, le prix. Ouais, pour faire simple, vous avez le choix entre acheter ça ou acheter un MacBook Air, par exemple. Voilà. Mais mine de rien, c'est vraiment de la bombe. Il y a énormément d'accessoires, je vais les dérouler juste après, ne vous inquiétez pas. Mais mon mode préféré là-dessus, ça reste le mode pour tout ce qui est soupe, ce qui est juste génial. C'est que vous mettez tous les ingrédients dedans, avec de l'eau. On appuie sur un bouton, il fait tout et en 30 minutes, vous pouvez faire autre chose en attendant, même pas. Ça chauffe, ça machin, ça fait tout, ça mouline, c'est juste incroyable. Vous ressortez avec une soupe impeccable. Ça, meilleur assistant cuisine de tout l'hiver. En plus de ça, évidemment, ça reste un excellent robot découpe. Il y a évidemment tous les accessoires pour faire, je sais pas, découper des pommes de terre, râper des carottes, râper du fromage. Ça reste très classique et très efficace. Mais le gros truc, vous l'avez bien compris, c'est qu'il y a des modes cuisson. Le concurrent direct, ça reste quand même Thermomix. Vous connaissez sûrement le Thermomix de nom, c'est la même chose. On est dans la même gamme de prix. Ouch. Personnellement, j'entends beaucoup de bien de cette machine, surtout de la part des parents qui ont des enfants, pas mal d'enfants. En gros, les recettes sont vraiment faciles à faire. On s'embête beaucoup moins en cuisine, surtout quand on n'a pas forcément le temps. C'est vraiment un super accessoire. Mais bon, vous l'avez bien compris, le prix, ça fait mal. Ceci est un accessoire pour faire des tagliatelles et spaghettis de légumes. Et ceci est un extracteur de jus très pratique pour extraire le jus. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd lui aussi ! KitchenAid, robot pâtissier, vous le voyez partout, c'est normal, c'est la référence pour tout ce qui est robot pâtisserie. Pareil, j'ai travaillé avec eux, très chouette, très sympathique, et surtout, ce que j'aime bien, c'est, comme Magimix, il y a beaucoup d'accessoires. J'en ai forcément quelques-uns que j'adore, notamment pour faire des pâtes. On va en parler juste après. Le bol ressemble à ça, mais je l'ai remplacé par du verre, tout simplement parce que lorsqu'on filme, c'est quand même plus agréable de voir un petit peu la préparation. Donc comme d'hab, c'est le genre de robot qui permet de monter les blancs en neige, pétrir de la pâte, préparer divers appareils, ça vous connaissez. Ce qui va être sympa, c'est de voir un peu les autres accessoires. Je vous présente mes meilleurs amis durant ce confinement, les laminoirs KitchenAid, donc pour faire des pâtes à lasagne, des spaghettis, des tagliatelles, c'est juste génial. J'ai également une autre version qui permet de faire des spaghettis, bucatini, rigatoni, gros macaroni, petits macaroni et même des fuzzili. Bon, ça c'est pour presser du jus d'orange, pas indispensable, mais assez stylé.
Ça, c'est un moulin à farine que je n'ai encore jamais testé. Pour le coup, j'ai très très hâte de pouvoir l'essayer en live. Blender, Magimix, bon, RAS de ce côté-là, c'est un très bon blender. Ça blend, but will it blend? Ah, bah oui, il faut que je mette le courant. Bon, le blender, de manière globale, j'utilise bien évidemment pour broyer, blender des choses très rapidement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a très peu d'accessoires, contrairement à d'autres gros robots, et du coup, par extension, très peu de vaisselle. Donc, vous l'avez bien compris, je l'utilise pour blender, et évidemment, pour autre lassie, milkshake, et ce que vous voulez. Hop, celui-ci vous l'avez déjà vu dans une vidéo, c'est un petit mijoteur Russell Hobbs, donc très pratique pour tout ce qui est cuisson à basse température, cuisson sous vide, et également, donc comme son nom l'indique, pour mijoter des choses. Donc très grande cuve. Moi, le seul souci que je rencontre vu la taille, bah, c'est le stockage. Parce que ma cuisine, mes placards ont leurs limites en termes de stockage. Ah oui, et chose importante, il y a une sonde, voilà, essentielle, pour mijoter et cuire sous vide. Ça, on reste toujours sur du Russell Hobbs, donc c'est un batteur électrique. Je n'utilisais pas ce genre d'accessoire jusqu'à avoir celui-ci, parce que j'aimais tout faire à la main, mais j'avoue que quand on y a goûté, c'est fortement... Ah, c'est le mauvais détrompeur, retourne en maternelle. Donc je disais, c'est fortement pratique, tout simplement pratique. Donc, monter les blancs en neige, voilà, c'est facile à nettoyer, il n'y a pas tout à nettoyer, c'est juste les accessoires. Vous connaissez, et sincèrement, je vous recommande de faire l'acquisition de ce type d'appareil si vous avez l'habitude de, je sais pas, faire de la pâtisserie, monter des blancs en neige. Vraiment indispensable, et mine de rien, c'est pas forcément super cher. Hein. Russell Hobbs ou toute autre marque, pas de souci. Ah oui, il y a d'autres accessoires que je n'ai jamais utilisés, je n'utilise que cela. À nouveau, je le redis, si vous souhaitez voir un petit peu des références, je vous invite à faire un tour sur la boutique en ligne Yoko Cuisine. Ah, ça. Si vous voulez faire des soupes, that's the thing to get. Un mixeur plongeant. Donc, déjà, en termes de vaisselle, on s'embête pas. Il y a juste ça à nettoyer. Et vous pouvez mixer plein de choses. C'est vraiment hyper pratique. Pareil, c'est vraiment pas très cher. Et c'est un super accessoire si vous aimez bien cuisiner, on va dire, plus ou moins souvent. Évidemment, il y a plein de vitesses. Bref, vous connaissez sûrement ce truc. C'était un cadeau de ma mère. Braun, marque Braun. Voilà, je n'ai absolument pas la référence, mais ça fait le taf. Et de toute façon, je vous le dis, c'est vraiment pas cher ce genre d'accessoire. Troisième partie, le matériel de cuisson. Lorsque j'ai réaménagé ma nouvelle cuisine, j'ai voulu changer toute la batterie de cuisine. Donc jusqu'à présent, j'étais équipé en Tefal. Donc c'est bien quand on cuisine par-ci, par-là. Mais évidemment, ça ne se tient pas aussi bien dans le temps que du matériel un peu plus haut de gamme. Donc au début, j'ai porté mon dévolu sur Moviel. J'ai vite abandonné, vu le prix. Puis j'ai regardé du côté de Christel, sachant qu'il faisait du bon matériel de cuisson aussi, mais pareil, le prix. Et à tout grand hasard, je ne sais même pas comment, je suis tombé sur la marque Lagostina, donc c'est une marque italienne, et qui avait le même système d'attache, sensiblement, que Christel. Donc vous l'avez bien compris, moi ma problématique c'était d'avoir un système de poignée détachable, un peu comme beaucoup de marques le font, et Lagostina était le candidat idéal sur une gamme de prix qui me convenait. Bon, évidemment j'ai plein de poils de tailles diverses et variées, mais surtout on va dire que j'ai les poils un peu plus classiques pour tout ce qui est cuisson de viande ou bien de légumes. Et surtout, j'en ai une avec un revêtement. Alors pour ma part, tout ce qui est poêle avec revêtement, je ne les utilise que pour les cuissons un petit peu délicates. Je pense plus particulièrement à la cuisson de poisson et également la cuisson des œufs. Avec un revêtement, c'est tout de même plus facile et plus clean. Niveau casserole, pareil, diverses tailles, on s'en fout un peu. J'ai une grosse marmite un petit peu fourre-tout pour plein de préparations et une autre marmite spécialement conçue pour la cuisson des pâtes, tout simplement parce qu'il y a une sorte de passoire intégrée et c'est rudement pratique. Donc amateur et amatrice de pâtes, ça c'est ce qu'il vous faut. Et là, voici le système de poignée dont je vous parlais juste avant. Donc hyper pratique, les manches amovibles et ces petites poignées toutes mignonnes pour manipuler les casseroles et poêles lorsque les cuissons sont terminées. Par contre, chaque poignée, vous prenez 20 balles dans la tronche. Hein. Et encore plus si vous prenez la version inox. J'ai également une sauteuse pour tout ce qui est sauce, viande en sauce et plein de choses en sauce. Et évidemment, tous les couvercles qui vont avec. Et alors ça, mis bout à bout, les couvercles, c'est hyper cher. Comme vous pouvez le voir, j'ai un système de rangement dans les placards dans un souci de gain d'espace. Ça permet vraiment de mettre toutes les poêles à la verticale et c'est vraiment super pratique. Et en plus, c'est pas si cher que ça. En plus de ça, j'ai plein d'autres accessoires de cuisson. Je pense par exemple au wok, vous l'avez vu dans la vidéo du yakisoba. Donc c'est vraiment un wok le plus basique possible. Je crois que je l'ai payé entre 30 et 40 euros grand max. Et sincèrement, il fait vraiment le taf. C'est vraiment wok de blé. Ensuite, j'ai un beau plat à tagine avec un fond en fonte. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que c'est vraiment, on va dire, des recettes très spécifiques, mais vraiment pratique. Pour avoir eu un plat à tagine en terre cuite,
J'avais eu la mauvaise expérience de le casser, donc c'est pour ça que j'ai investi dans de la fonte. Au moins, ça ne bougera pas. Là, je vous présente une très belle cocotte de chez Revol. J'ai plusieurs autres modèles. Très pratique, ça va au four, c'est juste génial. Sincèrement, si vous aimez bien la cuisine, investissez dans une cocotte, même si c'est cher, parce que vous pouvez faire toutes sortes de cuissons avec. Et surtout, ça se tient très très bien. Mais je vous l'accorde, oui, c'est peut-être un petit peu cher. Quand on aime cuisiner, on ne compte pas les kilos. Ah oui, aussi, j'ai cette poêle à crêpes en fonte qui est terriblement lourde. Très pratique pour faire du crossfit, mais aussi des super crêpes. Moi, principalement, je l'utilise pour tout ce qui est tortillas, chapati, galettes de confinement, tout ce que vous voulez. Quatrième partie, les gros accessoires. Bon, je ne vais pas vous démontrer l'intérêt d'une passoire, si ce n'est de faire un chapeau. Ce qu'il faut retenir, c'est cet accessoire. Ça, c'est le vrai chapeau. On appelle ça un chinois. Vous l'avez vu dans beaucoup de vidéos, ça permet avant tout de passer des sauces, donc de les filtrer. Très pratique, c'est conique, bon, c'est pas très très cher, et sincèrement, ça sert pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est vachement utile. À défaut, vous pouvez utiliser des petites passettes. Bon, ça fait pas partie des gros accessoires, mais voilà, vous savez ce que c'est des passettes. Je les utilise principalement pour du thé, celle-ci un peu moins. Vous pouvez très bien vous procurer ça, même si vous n'avez pas la possibilité de prendre un chinois, ça sera pratique, facile à ranger. Par contre, pour passer vos sauces, il faudra le faire sûrement plusieurs fois. Revenons-en à nos accessoires, tout ce qui est bol en inox ou bien cul de poule, etc., etc. Ceux-ci, ce sont des lagostinas. Ce que j'aime bien là-dedans, alors il y avait à la base un espèce de socle en caoutchouc que j'ai viré parce que ça ne servait strictement à rien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une poignée. Ça a l'air futile comme ça, mais quand vous êtes en train de fouetter quelque chose longuement, je peux vous dire que... On peut enchaîner facilement. On a une bonne prise, c'est assez pratique. Mais, je vous le dis, hein, un bol comme ça, classique, ça fait largement le travail. Regardons maintenant ces petites plaques en inox, qu'on appelle plaques à débarrasser. Ça, prenez-le en cuisine, parce que c'est vachement pratique. En gros, on peut y mettre toutes les découpes. C'est clean, c'est facile à nettoyer, c'est léger. Si ça tombe par terre, on s'en fout. Peut-être l'ingé son, on s'en fout un petit peu moins, mais... Regardez, elle est intacte. Bref, c'est pas comme une assiette sur laquelle vous avez débarrassé quelque chose, une assiette que vous avez peur de casser ou quoi que ce soit. Assiette en inox, plaque à débarrasser, c'est vraiment the investissement et c'est, je le dis, pas très cher. En plus, ce set-là, c'était un lot de 3 plaques à débarrasser spécialement pour les panures. Les plaques à débarrasser, j'en ai des modèles divers et variés, donc plus ou moins profonds. Vous avez bien compris, moi, je m'en sers beaucoup en cuisine. Prenons maintenant ces modèles de plaques à débarrasser équipées d'une grille. Investissement assez récent. L'avantage de ces petites grilles, en gros, c'est que vous allez pouvoir passer ce plat au four. Imaginez, vous cuisez un magret, vous pouvez le déposer là-dessus, le conserver au four, nickel, les jeux de cuisson, ça va en dessous, c'est juste impeccable. Ou encore, par exemple, pour débarrasser des gâteaux, des petites pâtisseries, je ne sais quoi, avec le modèle Big Size. Et toujours, en parlant de grille, là, c'est une grille de pâtisserie, pareil, ça c'est pour débarrasser les gâteaux. C'est pas indispensable, sauf si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de pâtisserie. J'ai l'impression que je suis dans une cage. Ça, c'est un tapis de cuisson, ça permet d'éviter d'utiliser du papier sulfurisé, et surtout, ça permet de cuire facilement tout ce qui est petits gâteaux, cookies, etc., etc. Alors, ça va sembler très bête, ce que je vais vous dire là, mais un gros saladier en cuisine, un gros récipient comme ça, c'est également indispensable. Pourquoi ? Déjà, pour faire des ponches. Blague à part, déjà, ça va vous permettre de laver tout ce qui est salade, hein, ça va de soi. Mais surtout, je pense à un usage bien particulier. Quand, par exemple, vous allez vouloir refroidir une préparation, vous allez faire une sorte de bain-marie version froid, où, en gros, ça sera rempli d'eau, de la glace, pouc, vous avez un grand contenant, et vous pouvez refroidir votre préparation très facilement. Donc ça, indispensable, ça vaut rien du tout, mais ça prend de la place. Dans le genre, gros accessoires spécifiques, non, pas le sopalin, déjà, on a ceci. Qui est un petit peu abîmé, je vois. Donc j'ai ça spécifiquement pour le riz à sushi. C'est ce qu'on appelle un hangiri. Il y a d'autres dénominations, je ne les ai plus en tête. Mais ça va permettre d'étaler le riz pour qu'il refroidisse et faire un riz à sushi impeccable. C'était juste pour vous montrer, c'est rien de bien indispensable en cuisine. J'ai ce mortier... Chut, arrête de bouger. J'ai ce mortier pilon là. Celui-ci est assez particulier, c'est un cadeau de mon oncle qui habitait au Népal, donc il provient du Népal. D'ailleurs, quand il me l'a offert, j'ai vu qu'il était déjà utilisé parce qu'il était jaune curcuma. Mortier pilon, c'est pas indispensable en cuisine, évidemment. Mais si vous voulez concasser pas mal de préparations, je pense à un mélange d'épices, du poivre, casser tout ce qui est oléagineux, je pense à des noix, noisettes, etc., etc., ça va être très pratique. Je vous recommande en revanche d'investir dans des modèles assez larges et profonds, vous l'avez bien compris, avec une bonne contenance. Car avant j'avais celui-ci,
Et je peux vous dire que c'est pas la même. Quand on veut faire un pesto là-dedans, et ben on fait un petit pesto. Cinquième partie, les couteaux. J'ai oublié de parler de cette planche à découper, vu qu'on va attaquer les couteaux, donc les découpes. C'est une belle planche à découper que j'avais trouvée à l'époque chez Toc. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est déjà c'est une jolie pièce. Et surtout, il n'y a pas de rainures. Parce que pour les découpes, moi je déteste les rainures. Parce que quand on veut débarrasser nos découpes, généralement il y a toujours des petites herbes qui vont se coincer dedans. C'est difficile à nettoyer. Là pour le coup, c'est lisse. Je préfère largement. Faut que je mette une cale. Un trackpad. Et voilà. Enfin, un usage au trackpad Apple. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que les couteaux, c'est la partie qui intéresse souvent. Et vraiment, si vous souhaitez cuisiner régulièrement, je vous conseille d'investir dans un bon couteau. Mais il y a largement de quoi se perdre, je vous l'accorde, parce que les références, il y en a what million. Pour ma part, quand j'étais étudiant, j'avais un couteau en céramique. Céramique, c'est bien, ça coupe bien. Par contre, ça se tient très mal dans le temps et ça s'édente facilement. En plus, céramique, normalement, on ne peut pas l'aiguiser. Tout l'intérêt d'un couteau, c'est d'avoir un bon acier qu'on va pouvoir aiguiser régulièrement afin d'avoir un couteau qui tranche. Comme ça, les whips, vous pourrez vous prendre pour des samouraïs, y a pas de souci. Les couteaux que j'ai eu par la suite, ce sont ceux-ci. C'est une marque qui s'appelle Evercut. Je les aimais bien parce qu'ils avaient un design un petit peu agressif, avion furtif. Super les passions. Ça coupait bien, mais je vous avoue qu'il faut que je lui mette un petit coup de neuf parce que là, il tire un peu la gueule. Je l'utilise juste pour couper les gâteaux en ce moment. Petite parenthèse au passage, je vous le rappelle encore une fois, vous pouvez faire un tour sur le shop pour découvrir des recommandations de couteaux. Pour ma part, les références que j'utilise le plus, c'est Wuzaki. Donc ceux-ci, je les adore car ils ont un très très beau manche avec une belle tenue, très agréable. Là, on est sur un santoku, on est vraiment sur la forme la plus classique. C'est quasiment la même chose qu'un couteau chef. Si vous ne devez avoir qu'un couteau, prenez vraiment ce type de couteau, santoku ou chef. Au passage, je vous recommande également une marque en particulier, vous pouvez la trouver sur le shop. Ah, le mec qui insiste quand même. C'est la marque Kai. Je sais que ma mère en a, elle a toute la collection de Kai et sincèrement, ils se tiennent super bien et ils sont sur des prix pas dégueulasses. Perso, mon préféré de loin reste celui-ci. Donc on est toujours sur du Wuzaki, même type de manche et surtout, on est sur une forme qu'on appelle Nakiri. Normalement, c'est plus pour la découpe de légumes, mais moi je l'adore parce qu'il a, pareil, une très bonne tenue. Il est assez équilibré. Mais c'est surtout la forme de la lame, j'adore. Et je sais qu'un de mes prochains investissements, ça va être la version Big Boy, à savoir un couteau chinois. Donc ça ressemble à des gros couteaux de boucher, mais en très très fin. Ça permet de faire beaucoup de découpes, c'est très polyvalent. Peut-être un peu plus compliqué à manier, mais je sais que je veux ça dans ma cuisine. Mais en tout cas, Nakiri, c'est le feu. Hop. Et j'ai ceux-là en rab, c'est pareil, c'est des Wuzaki avec un manche un petit peu différent. Ils sont très très bien, mais il faut que je les réguise. Réaiguise. Que je les aiguise à nouveau. En parlant d'aiguisage, comment est-ce qu'on aiguise un couteau? Il y aura une vidéo sur la chaîne à l'occasion pour vous expliquer cela. Mais dans tous les cas, je recommande ceci. C'est une pierre. Alors à défaut de pouvoir faire des maisons avec, on peut effectivement aiguiser les couteaux. C'est le même principe que pour poncer quelque chose, il y a des tailles de grains, donc il faudra prendre la bonne taille de grains en fonction de ce que vous voulez faire. Mais dans tous les cas, je vous le redis, il y aura une vidéo sur la chaîne sur ça. C'est assez simple, il faut juste prendre le coup de main, mais par contre le résultat est garanti et ça vous pouvez vraiment le garder très longtemps. Ceci, oui je sais c'est un couteau à pain, on s'en fout. Bon je sais, ils sont très très moches, mais j'aime bien cette forme d'économe. J'en ai un lisse, un avec des dents. Bon voilà, c'est un économe, il n'y a rien de spécial à dire. Essayez juste de prendre un truc qui dure. Ce joli bouquet de râpes, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, alors pas forcément tous les modèles en particulier, mais là c'est de la marque Microplane. C'est un peu, ou Microplane, je ne sais jamais. Microplane, Microplane, c'est une râpe. Voilà. Cette marque de râpe, pour faire simple, est très très connue dans le milieu de la cuisine, c'est un peu la référence. J'ai pris ces modèles parce qu'ils sont très jolis, ils sont en bois, c'est une version un peu collector, forcément un peu plus chère, et ils ont été généreusement offerts par la marque en direct, donc merci encore à eux. Pour faire un point un peu plus précis sur les râpes, je vous recommande vraiment ce genre de petite râpe manuelle parce que c'est plus maniable, c'est facile à nettoyer, et évitez vraiment ce genre de grosse râpe énorme où c'est un espèce de building et vous devez râper, ça tombe en dessous, ça en fout partout. Ça, c'est facile, ça s'utilise vraiment, mais c'est un jeu d'enfant. Attention les doigts par contre, hein, parce que ça râpe sévère. Dans ce style un petit peu futile, mais essentiel si on adore les frites, le coupe-frites. Je sais que ma mère en a un en cuisine, donc c'est la version un peu plus badass, plus conséquente. Si vous voulez faire vos frites maison très souvent, c'est ceci. Disponible sur le shop. Attention à ne pas confondre cela avec un instrument de musique. Ça porte le même nom, mais vos doigts ne finiront pas de la même manière. Ceci est une mandoline, plus précisément même une mandoline japonaise. Hyper light, hyper sobre. Il y a plusieurs lames disponibles. Ça vous permet de faire des découpes très régulières de légumes. Par exemple, si vous n'avez pas de robot, vous voulez faire un beau gratin dauphinois, eh bien,
On coupe à la mandoline, sans les doigts s'il vous plaît, et vous aurez un résultat impeccable. Vous pouvez bien entendu changer l'épaisseur, et idem, c'est pas hyper cher. Par contre, je le répète, vraiment attention aux doigts, parce que ça pardonne pas. Bon, ça, si vous aimez les pizzas, bref, on s'en fout. Ça, idem, j'ai ça dans ma cuisine, je sais même pas pourquoi. En revanche, ceci, couteau rouge, goûtez comme ça, retour plan de travail. Petit couteau à dents, c'est très pratique en découpe pour des petites découpes, je pense particulièrement aux tomates, pour faire des découpes impeccables. Ça vaut rien du tout, et c'est vraiment indispensable. En parlant de ça, je rebondis sur un autre sujet important, quels usages pour quel type de couteau? Si vous ne deviez avoir qu'un seul couteau, ça serait un chef ou un santoku, pas besoin de plus. Les tailles inférieures, ce sont des couteaux d'office, donc c'est des couteaux pour les petites découpes. Je sais que je ne les utilise quasiment jamais. Plus ça va, plus j'utilise un seul couteau. Donc si vous voulez trois couteaux, ce sont ceux-ci. Santoku ou chef, un d'office si vous voulez, c'est... Le tâche, il sert à rien. Cuisinier en sueur. Et celui-ci, forcément, je vous l'ai dit, un couteau à dents, ça sert toujours. Et ça vaut rien. Ça vaut 2 balles, peut-être 4. Donc je répète, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le demandent, quel couteau je dois prendre, au pluriel évidemment. À chaque fois, je dis vraiment, prenez un seul couteau, ça suffira amplement. Et surtout, de quoi l'aiguiser. De quoi, pourquoi je pointe la lame, c'est pas bien ça. Sixième partie, les ustensiles en vrac. Bon, là, je vais faire une liste un peu n'importe quoi de tout ce que j'ai en vrac dans la cuisine et qui pourrait potentiellement être utile. Un bon moulin à poivre, à ne pas confondre avec un poivrier, parce que le poivrier c'est l'arbre qui fait du poivre. Je sais, on dit tous poivrier, mais normalement il faut dire moulin à poivre. Pour avoir pu voir comment il bossait, je sais que les moulins à poivre Peugeot Saveur sont vraiment impec. Fabrication française, certes c'est peut-être un petit budget, mais vous les garderez ad vitam aeternam. Après j'ai cet ancien modèle, toujours Peugeot Saveur, je le préfère car on n'a pas cette petite vis qui aura tendance à se dévisser jusqu'à ce que... Oui, je sais, je dois mal tenir le moulin à poivre. Donc comme je suis un petit peu moins doué, je préfère cet ancien modèle. Vous voyez, la petite vis, elle est là. Dedans, c'est des baies de Sichuan. Je vous parlerai des épices un peu plus tard. Ce genre d'accessoires, des espèces de petits contenants, des petites pipettes en plastique, ça vaut rien du tout. Ça vous permet par exemple de faire toutes vos vinaigrettes en avance, de les stocker au réfrigérateur, ou autrement d'avoir des sauces et pouvoir les déposer de manière contrôlée. Pareil, l'avantage, c'est que ça se nettoie facilement, ça tombe par terre, on s'en fiche. Là, on a des emporte-pièces ronds, très pratiques pour découper des cercles dans des gâteaux ou autres préparations. Ah, alors, niveau douille, il y en a plus qu'il n'en faut dans ce kit. Niveau poche à douille, j'ai préféré investir dans du réutilisable. Donc j'ai juste à le laver et à le réutiliser. Ceci est l'accessoire indispensable dans toute cuisine qui se respecte. Une spatule, autrement connue sous le nom de Maryse. Donc si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Maryse dans votre entourage, vous pouvez très bien l'appeler spatule, aucun problème. Blague à part, c'est indispensable dans la mesure où ça vous permettra évidemment de ne pas gâcher, par exemple, des sauces. Ça vous permettra de vraiment racler et ne rien perdre. Sincèrement, ça vaut que dalle et vous économiserez avec. Donc c'est un produit rentable. Je ne sais même pas pourquoi j'en ai deux, j'en ai une rouge. À ce qui paraît, le rouge va toujours plus vite. Pas indispensable, la petite spatule, si vous faites de la pâtisserie, des glaçages, plein d'autres choses, ça va être plutôt sympathique. Ça, je sais pas pourquoi j'ai pris... J'achète des conneries des fois. Petite spatule, très 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 pratique. Pas indispensable. Spatule en bois, indispensable. Pour ne pas rayer votre batterie en cuisine. Là, je suis en train de réaliser un truc, c'est qu'il y a quelques années, je me foutais de la gueule des gens qui faisaient des What's on my phone et je me retrouve à faire un What's in my kitchen quand même. Mais du moment que ça peut vous servir, c'est cool. Voici d'autres accessoires en bois que j'utilise au quotidien, vous pouvez voir le tout en vrac, il y a de tout, louche, etc, etc. Et surtout, abracadabra, bon, bref, on s'en fout. Le pinceau en cuisine, sincèrement, on s'en fout, prenez n'importe quel pinceau. Comme ça, vous pouvez faire tous les gâteaux nantais que vous voulez. Je sais, j'ai un problème avec le gâteau nantais. Bon, ça, je les utilise très peu, mais je vous les montre parce que je les ai achetés au Japon, je les trouve assez jolis. Celle-ci, si je l'utilise un petit peu pour écumer les préparations. Oui, parce que quand vous faites des préparations qu'il faut écumer, il faut une écumoire. Et personnellement, j'aime bien celle-ci parce qu'elle est très fine. Mais celle-ci aussi, parce qu'elle est petite, elle est mignonne. Je vous présente le pressail. Bon, il y a des modèles divers et variés. Prenez celui qui vous correspond. Pourquoi presser de l'ail? Ah, à vrai dire, on peut totalement s'en passer, mais je vous avoue qu'un bon ail pressé dans une bonne sauce, on sent vraiment la différence, et surtout de l'ail pressé dans une salade testée, ça défonce et ça relève vraiment votre salade et votre vinaigrette. J'aurais absolument jamais cru parler d'un tire-bouchon en vidéo, mais voilà, c'est chose faite. Tout simplement, je vous montre les modèles que j'aime bien utiliser. Pourquoi? Parce que je déteste simplement les tire-bouchons avec les bras. J'aime bien ces modèles parce que... La ficelle. Pourquoi de la ficelle en cuisine? Déjà, pour des rôtis, bien évidemment, mais surtout, si vous les faites vous-même, des bouquets garnis. Avec du verre de poireau, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On a toujours besoin d'un peu de ficelle. Ça vaut que dalle. Ça a été payé 2,90€. Et je crois que j'en ai pour toute ma cuisine, toute ma vie. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien à ajouter pour sa défense. Ceci n'est pas du sucre. Ce sont des petites billes en céramique.
Je les utilise de temps en temps, mais je vous avoue que vous pouvez totalement vous en passer. Ces billes en céramique sont utilisées pour les cuissons à blanc de tarte. Vous préparez votre tarte, il faut mettre un poids dessus pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la pré-cuisson, disons. Et généralement, on utilise des billes en céramique, mais ça vaut un petit peu cher pour ce que c'est. Je sais toujours pas pourquoi j'en ai acheté, mais vous pouvez vraiment vous en passer en utilisant simplement un paquet de lentilles. Vous déversez les lentilles à la place des billes en céramique, c'est juste que vous ne mangerez pas les lentilles derrière. Donc grosso modo, vous gardez vos lentilles, vos pois cassés, ce que vous voulez. Vous les gardez dans un récipient, ça servira uniquement de poids de cuisson. Ceci est une balance, je vous recommande vraiment d'en avoir une en cuisine, surtout si vous faites des recettes sucrées. Car on le sait très bien, tout ce qui est recettes sucrées, c'est de la chimie, donc il va falloir être relativement précis. Cette balance, c'est celle qui était fournie avec le Cook Expert de chez Magimix. Elle est bien, mais il y a mieux. Je sais juste qu'elle est un petit peu galère des fois, j'appuie, elle veut pas forcément tarer, c'est un peu chiant. Voilà. Je sais qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, j'aurai déjà une nouvelle balance un petit peu mieux. Voilà, donc morale de l'histoire, il est toujours important d'avoir une balance, sauf quand on travaille dans la mafia. Plus j'avance dans cette vidéo, plus je me dis que je vous présente des trucs cons, mais en vrai, ça vous permet de vous projeter. This is a revolution. Ceci est un dessous de plat, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est un dessous de plat accordéon. Non, vraiment, il est très pratique parce que déjà, il prend pas beaucoup de place, il est extensible, on peut adapter différentes tailles de plats, c'est de la balle. Je crois pas qu'il soit sur le shop Yuko Cuisine déjà, mais si vous le cherchez, la marque c'est Joseph Joseph. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Télématin. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique accessoire pour faire du sous-vide. Voilà, en fait, je voulais acheter une machine sous-vide. Le truc, c'est que les machines sous-vide pro, vous en avez certainement déjà vu, ça marche très très bien, mais on jette une quantité de plastique assez effroyable. Et j'essaye d'être plus raisonnable sur cela. Dit le mec qui achète quand même un iPhone, un MacBook, des batteries pour tourner ses maudites vidéos sur Internet, qui sont stockées sur des serveurs, qui consomment un maximum d'électricité, sûrement du charbon récolté par des petits enfants au fin fond de la Chine. Bref, sur Télématin, vous avez un petit accessoire pour faire du sous-vide portatif. Je voulais celui-ci car il y a des poches réutilisables et surtout ces petites boîtes qui sont fichtrement pratiques pour la petite somme de je ne sais plus combien. De toute façon, il n'est pas encore disponible sur le shop. J'ose espérer qu'il le sera un jour. Mais en gros, vous pouvez voir, il y a une espèce de petit opercule ici. On ferme la boîte, tac, tac, on fait ça. Il est rechargeable avec une prise propriétaire. Oui, je confirme, une prise propriétaire, ça c'est chiant, qui se branche sur secteur. Ah non, il faut mettre quelque chose dedans. Regardez le petit percule là, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Ah ! Il n'y a plus d'air à l'intérieur. Et là... Ah ! De l'avocat frais ! Donc vous l'avez compris, très pratique pour conserver les aliments. En parlant de conservation, investissez dans des Tupperware ou boîtes de conservation simplement parce que Tupperware est une marque, il me semble. Parce que vous allez faire des économies dans la mesure où vos aliments se tiendront peut-être un peu plus longtemps, vous éviterez de gaspiller. Il y a plein de références, prenez quelque chose, si possible d'hermétique, sinon ça ne changera pas grand-chose. Et surtout de solide, parce qu'à force de les manipuler, de les nettoyer, vous allez les casser et vous allez vous retrouver avec des boîtes en plastique cassées. Donc concrètement, vous aurez acheté des boîtes en plastique cassées, c'est pas très utile. Toujours sur la conservation, je vous recommande un accessoire en particulier, c'est pas très cher, c'est réutilisable, ça vous évite d'utiliser du cellophane, dit le mec qui a encore du cellophane dans sa cuisine, qui en utilise encore, qui le montre dans ses vidéos, sûrement encore du cellophane fabriqué par des petits mineurs chinois quelque part dans la Chine méridionale. Investissez dans le Beewrap, à défaut d'acheter du bitcoin, ça c'est vachement bien. C'est réutilisable, c'est lavable, ça conserve super bien les aliments, ça donne pas spécifiquement de goût, mais grosso modo c'est une sorte de petit tissu avec de la cire d'abeille dessus. C'est mignon, c'est écolo, et sincèrement c'est super pratique. Je reviens sur la thématique des pots de conservation, mais ce genre de boîte de conservation, prenez plusieurs tailles. Moi je sais que pour la farine c'est très pratique, ça évite d'avoir des petites bestioles à l'intérieur, ça se conserve bien, c'est hermétique, c'est génial. À la base je n'avais que des pots Le Parfait, c'est super mignon, c'est par contre en verre donc ça peut se casser, mais c'est très joli, ça coûte cher. Pour le reste, j'ai pas mal de références différentes, donc celles-ci qui sont très jolies, celles-ci qui sont très jolies aussi, et celles-ci qui sont très joli aussi, on peut dire. Voilà, j'ai plein de modèles différents tout simplement parce que j'ai acheté plusieurs références différentes pour essayer plein de trucs. Et au final, je sais que pour ce qui est épices, ces deux me conviennent amplement. Ça concrètement, ça va être pour des pâtes sèches, d'autres conneries. Donc là, c'est des chile de albol. Chiles de albol. Alors, j'ai failli oublier l'accessoire ultime, le tenga.
Non, alors ceci est un accessoire très spécifique. C'est un moulin à cannelle Peugeot Saveur. Si vous utilisez beaucoup de cannelle régulièrement, ceci est un accessoire incroyable. Je n'ai pas le prix en tête, mais le principe est relativement simple. En gros, à l'intérieur, il y a un boulard, pour rester dans le thème. Ce boulard, bon, vous comprendrez la référence si vous avez joué aux billes, hein, si vous avez passé votre enfance à jouer à Fortnite, je suis désolé, mais vous ne comprendrez pas. Donc ce boulard, en gros, va être à l'intérieur avec vos bâtonnets de cannelle. Vous allez secouer votre boulard. Ça va casser les bâtonnets de cannelle. Et là... Oh, de la cannelle fraîchement moulue. Non, par contre, je suis en train de gâcher, là. Ça fait la diff. Bon, rien à voir avec la cuisine. Quoique, aussi, parce que c'est littéralement dans ma cuisine. Ceci est un filtre Berquet. Grosso modo, ça fonctionne comme les filtres Brita, sauf que les cartouches, vous en achetez pas tous les 4 matins. Ça va, le trackpad, là? L'avantage, c'est que ce sont des gros filtres. Et selon le site internet, si ma mémoire est bonne, pour une famille de 4 personnes, de parents, 2 enfants, il faudra changer les filtres tous les 10 ans. Et ça, c'est la référence des filtres, surtout quand on voyage souvent, qu'on a un camping-car. On peut filtrer très très bien l'eau. Et je sais que moi, l'eau du robinet à Bordeaux, je trouve qu'il y a un goût, ça me dérange. Et que ça me dérange aussi d'acheter des bouteilles de plastique à tout va tout le temps. Bon, ça m'arrive d'en acheter. Dit le mec qui a du cellophane dans sa cuisine. Ça, c'est la petite merveille. C'est pas donné, mais si vous cherchez un super filtre à eau, pour boire de l'eau, pour vous hydrater par exemple, c'est important à ce qu'il paraît. Berquet, pareil hein, Berquet, if you're watching the video, I would like to get some more, please. Ceci, en plus d'être un accessoire indispensable pour jouer un méchant dans Batman, ça vous permettra de faire des très jolies purées. Un presse-purée, pareil, c'est pas très très cher, vous pouvez trouver des modèles différents et vous aurez des écrasés de pommes de terre, voire purées impeccables. Mais sincèrement, qu'on se le dise, une fourchette, ça suffit. Ce sera juste un peu plus long. Alors, j'ai ces deux pinces. Je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Sûrement parce qu'elles étaient vendues ensemble. Mais très pratique pour manipuler des préparations. Je pense particulièrement à des viandes. Pareil, ça vaut pas cher. Ça prend de la place. C'est pas forcément indispensable. Vu que, comme vous l'avez remarqué, je manipule souvent les viandes avec les doigts. Oui, je sais, j'ai des doigts inifugés. Mais si ce n'est pas le cas chez vous, préférez... Ceci est le meilleur ami du chinois, une louche autrement connue sous le nom de pochon. Ça vous permettra d'écraser votre préparation et ainsi d'empresser tout le liquide. Donc c'est pratique parce que c'est arrondi, ça rentrera parfaitement dans le chinois. C'est le combo gagnant, louche chinois. Attends, ça peut servir à la soupe, tiens. Ah, bon point. Principalement. Très bon point, effectivement, ça peut servir à servir des soupes. À force, on en oublie l'essentiel. Ça, je sais pas pourquoi j'ai pris ça... Sûrement parce que c'était vendu avec. Si vous faites des fritures régulièrement, petite araignée, voilà, bon, rien à dire de plus, si ce n'est que, araignée. Ok, ça c'est THE accessoire à avoir forcément en cuisine, ça va de soi. Un peu d'huile de coude, on fait monter des blancs en neige, on mélange des préparations, bref, je vais pas vous apprendre à quoi ça sert. Juste essayer de prendre un modèle qui ne va pas se casser en deux-deux. Je sais que de Bayer, de Bayer, de Buyer, de Buyer, je ne sais jamais comment le dire, de Bayer, de Bayer, de Bayer. Please buy on my shop. Je sais juste que celui-ci se tient très très bien, ça fait un certain temps que je l'utilise et pas de problème apparent. Alors qu'il y a un certain temps, j'ai eu beaucoup de fouets différents et au bout d'un moment, il y a toujours quelque chose qui s'en va, le fouet qui se barre, ça se casse en deux. C'est juste très chiant. Excusez-moi du terme, c'est très chiant. Donc autant investir dans un bon fouet tout de suite, surtout si vous comptez beaucoup fouetter. De préparation. Le rouleau à pâtisserie est assez simple, c'est juste du bois lisse, c'est juste ce qu'il faut. En plus de ça, j'en ai 3 autres qui ont été ramenés par ma mère directement de Bombay en Inde. Voilà, c'est plus des petits rouleaux à pâtisserie version indienne pour faire des chapatis, etc., etc. Un verre mesureur, of course. Bon, on s'en fout, prenez ce que vous voulez, ayez toujours un verre mesureur, ça sert toujours. Quoique fortement imprécis, ça sera quand même mieux une balance. Mais un verre mesureur avec un bec verseur. Bon, si jamais cette vidéo vous emmerde, vous me le dites. Hein. Parce que là, j'ai l'impression de parler de trucs basiques. Ça, c'est un siphon. À l'occasion, je ferai une vidéo explicative pour expliquer son fonctionnement. Comme ça, vous pourrez vraiment vous amuser sur des préparations bien spécifiques. Et là, le classique chalumeau pour les crèmes brûlées, mais aussi pour griller un petit peu de poisson par-dessus les sushis. 7e partie, tout ce qui va au four. On va pas passer 10 000 ans sur cette catégorie, je vous montre juste rapidement. J'ai l'impression de faire un haul. Plein de moules divers et variés pour faire plein de choses diverses et variées.
Le silicone, c'est bien parce que... Ah, pas de fracas, génial. En revanche, si vous voulez faire des gâteaux dentés, préférez un moule 22 cm, si possible anti-adhésif. Je sais que celui-ci fait vraiment l'affaire. Je n'ai pas la marque en tête, mais simplement moule anti-adhésif. Si vous voulez faire des cheesecakes ou autres gâteaux qu'il faut démouler de manière très très élaborée, on va dire, plat à fond amovible, ce sont les références qu'il vous faut. Plat à fond amovible, grosso modo, vous allez avoir... des problèmes. Mais vous avez compris, regardez, le gâteau il est là. Le gâteau, il n'a pas bougé, il est resté sur ma main. Ceci est un très très beau moule à tarte Peugeot céramique. Avant de les avoir rencontrés, d'avoir pu voir ce qu'ils produisaient notamment pour les poivriers, les moulins à poivre, j'ai appris qu'ils produisaient également de très beaux ensembles de verres, de carafes et également de très jolis plats qui vont au four. Celui-ci est juste incroyablement beau, j'adore ce bleu. Soon sur la boutique, j'espère. Dans le genre plat à tarte un peu similaire, plat à fond amovible un peu plus... simple. Même version rectangulaire. Voilà, comme ça c'est pratique. Ceux-ci sont des petits moules à révol, donc qui sont évidemment durs, donc on les les fait pas tomber. Idem pour celui-ci, le spécial tartatin, juste magnifique. Je vous avais dit qu'on n'allait pas rester longtemps, et celui-ci, oula, il y a des feuilles dedans. Révol également. Pour la petite histoire, Révol avait fait des dotations au lancement du cook, ce qui était très chouette. Et celui-ci, c'est mon petit favori pour le tiramisu. Hein, oh, et bah, celui-ci, bah, je sais pas quoi dire. Bon, spécial tripophobe. Parlons peu, parlons maniques. Donc vous avez l'habitude de voir les grosses maniques un peu façon grand-mère. Moi, j'ai opté pour des gants de barbecue, tout simplement parce que j'aime bien avoir mes 5 doigts. C'est quand même vachement pratique. Nothing will stand in our way. Ça tient vachement bien la chaleur, c'est pas très très cher, ça vaut le même prix que des maniques, c'est certes peut-être moins joli, moins mignon, moins grand-mère, mais c'est bien. Puis vous pouvez faire des barbecues avec en plus. Huitième partie, les épices. Pour les épices, je ne vais pas forcément tout vous détailler parce que je doute que ça soit hyper intéressant. En revanche, il y a une question qui revient souvent, qu'on pose souvent, c'est de savoir quelles sont les épices indispensables en cuisine. Donc il n'y a pas réellement d'épices indispensables, c'est vraiment selon vos goûts, selon... vos envies. Mais ce que je peux vous recommander, c'est d'avoir toujours un très bon sel, toujours un très bon poivre, au moins un de chaque, et vous pourrez vraiment vous éclater en cuisine. Donc une bonne fleur de sel, un bon poivre, d'ailleurs mes préférés, ça reste quand même, alors je sais c'est pas un poivre, mais les baies de Sichuan, ça parfume très très bien, ça donne un petit côté assez frais, un peu citronné légèrement, et en même temps un petit peu poivré, c'est assez marrant comme goût, enfin je sais que j'adore. Le classique poivre de Kampot, prenez également, je sais pas, un poivre de Madagascar, il y en a des très très bons. Et pour le sel, hein, le classique fleur de sel de Guérande, fleur de sel de l'île de Ré, ou encore du sel rose de l'Himalaya qui est très très bon. Alors je dis ça parce que je suis tibétain. Au-delà de ça, à mes yeux, il y a d'autres épices que j'aime toujours avoir en cuisine. Je pense par exemple au curcuma qui va servir sur de super bases pour faire des plats en sauce style un peu curry. Donc je sais que le curcuma va toujours revenir dans ce genre de préparation que j'aime faire. J'ai également toujours un bon piment ou deux. Je sais que j'aime beaucoup le chile de árbol qui est mexicain, qui arrache un petit peu la gueule. Mais j'aime bien manger pimenté, donc c'est assez sympa. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est la cardamome. La cardamome, c'est hyper frais, ça parfume de fou. Une bonne cardamome en cuisine, ça peut toujours servir, que ça soit dans du salé comme du sucré. Sinon, quelque chose à toujours avoir en cuisine, c'est des clous de girofle. Ça servira pour faire de super bouillons ou de super plats en sauce. Et en parlant de sauce, c'est également tout ce qui servira à faire des bouquets garnis. Donc bouquet garni, si vous voulez le faire méthode CAP, c'est du verre de poireau avec à l'intérieur un petit peu de feuilles de laurier, donc il faut toujours en avoir des séchées, un petit peu de thym, des queues de persil, alors vous pouvez mettre du persil entier si vous voulez, hein, et de la ficelle, on revient à cette ficelle. Donc somme toute, hein, vous l'avez compris, les grands classiques qu'il faut toujours avoir en cuisine, laurier, thym, persil et clous de girofle. Et par extension, je voulais vous montrer un petit coin que j'adore dans ma cuisine, c'est ce petit mur de verdure, donc c'est une marque qui s'appelle Prêt à pousser, qui est française, qui est très sympa. Ils ont de super produits, j'en avais déjà un que j'avais eu pour un anniversaire, et quand j'ai refait cette cuisine, je les ai contactés pour savoir s'ils voulaient bien, entre guillemets, sponsoriser cette nouvelle cuisine. C'est chose faite, ils ont été très cool, ils m'ont envoyé quelques modulos, donc ceux qui s'accrochent sur les murs, et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup de plantes différentes. Ce qui est vachement sympa, c'est que c'est sur un système d'hydroponie, c'est-à-dire que vous remplissez des réservoirs, vos plantes sont sur des flotteurs,
Et pas la peine d'arroser tous les 4 matins, vous avez un super petit réservoir qui va tenir quelques jours, voire une bonne semaine, voire même deux. Ils ont une très très belle sélection de plantes aromatiques, de fleurs, voire même de salades. Alors il y avait un petit a priori que j'avais à la base sur les capsules, j'étais persuadé que c'était du plastique et que c'était du gâchis, mais ces capsules sont également compostables, et ça je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc on peut très bien rempoter les fleurs par exemple, je l'ai fait récemment avec du pétunia. Bref, vous l'avez compris, ce système c'est juste génial, ça s'éclaire automatiquement à des heures bien précises, et les plantes sont ravis. Non mais regardez cette physalis comme elle se la pète quoi. Littéralement, elle se la pète. Neuvième partie, la céramique. Bon, ok. Là on va parler de choses très sérieuses qui me tiennent à cœur. Si vous me suivez un peu sur les réseaux comme Instagram, vous avez sûrement dû remarquer que j'adore les céramiques. Pour moi, un joli plat servi dans une belle assiette, c'est juste le feu. Donc c'est pour ça, généralement, que dès que je passe dans une boutique de céramique, je ne peux pas m'empêcher de sortir la carte bleue et d'acheter au moins une babiole. Et le pire, c'est en voyage. En voyage, généralement, je regrette juste de ne pas avoir des valises plus grosses pour ramener encore plus de céramique, pour d'ailleurs ne pas savoir où les stocker avec cette cuisine qui devient de plus en plus petite. Donc, au lieu de tout vous détailler, parce que je pense que ça va saouler tout le monde de voir toutes les pièces une à une, je vais vous montrer parmi mes préférés. Il y a un lieu où j'adore me rendre sur Bordeaux, c'est une petite boutique qui s'appelle Lodge, qui a une très très belle sélection de céramique. Je pense par exemple à Yars ou Jars, je ne sais pas comment ça se dit, ou encore Cerax, mais aussi de très belles assiettes en bois, des choses un peu plus classiques, tout de même jolies, voire même des pièces carrément ultra stylées, comme par exemple celle-ci en béton de la marque Cerax. Oui, c'est du béton. Ces quelques pièces ainsi que le mug de café que je n'ai toujours pas terminé viennent de chez une céramiste qui s'appelle Laurette Broll. Laurette B sur Instagram, elle fait de très très belles céramiques, j'adore ce qu'elle fait. Ok, celles-ci, je les adore car elles viennent du Mexique et ça a été fait par une marque qui s'appelle la Chichara Ceramica, qu'on ne peut évidemment pas trouver en France. Je leur ai demandé s'ils les ont envoyées à l'international, j'ai reçu une réponse négative et lorsque je suis allé dans leur shop, c'était juste la folie. Ils ont une sélection juste magnifique. Ces petites assiettes sont absolument incroyables. Toujours en provenance du Mexique, voici quelques assiettes au profil un peu atypique que j'aime bien parce qu'elles sont un peu irrégulières. C'est de l'artisanat local. Ah oui, je reviens sur la Chichara Ceramica, mais regardez cette assiette. Regardez le bleu tacheté de doré, mais c'est juste incroyable. Là, on va partir au Portugal. J'étais tombé à tout hasard sur une boutique à Porto qui distribuait une marque nommée Cerami Rupe. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais Cerami Rupe, sinon. Ça, ça vient de la même marque, c'est très mignon. Made in Portugal, pareil, je crois pas qu'on puisse les choper en France. Et dans le même style, on revient au Mexique. Regardez comme c'est beau! Ah, c'est trop beau! J'adore toucher les céramiques, je vais faire de l'ASMR céramique. Bienvenue sur la chaîne ASMR. Ça, ce sont simplement deux récipients qui viennent du Japon, qui ont été pris juste à côté du marché aux poissons. J'ai vu ça, j'ai flashé, j'ai craqué direct. Regardez comme c'est beau! Numéro uno. Numéro 2. Et toujours en provenance du Japon, mais cette fois-ci importé et acheté en France, j'ai trouvé ça chez une amie qui a une marque de cosmétiques qui s'appelle Lauren Caddy. Je vous invite à aller voir, c'est des super cosmétiques ayurvédiques que j'utilise depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air jeune. Bref, ces bols, regardez comme ils sont magnifiques pour faire des ramen par exemple. Oh là là, comme c'est canon. Et enfin, pour terminer, je vous montre 2-3 céramiques un peu bricoles, des toutes petites pièces. Je commence par celle-ci qui vient toujours de Oaxaca, de Chichara Ceramica. J'adore la forme un peu atypique. Également ces mini cruches qui viennent de Lodge à Bordeaux, qui sont de la marque, je sais pas. Et enfin, dans un autre style, ces espèces de... Oh, une surprise. Un tout autre style, donc ces petites cassolettes qui viennent de chez Revol. C'est mignon, c'est tradi, c'est bien pour mettre des petites découpes, faire des petites présentations, enfin ce mini quoi. Et bien voilà, cette longue vidéo touche à sa fin. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ces longues explications sur tout ce que j'utilisais en cuisine. Les ustensiles, les accessoires, les robots, les céramiques. Bref, le but de la vidéo, c'est vraiment vous montrer un peu tout ce que j'utilisais. Donc si ça vous sert, tant mieux. Donc je vous le rappelle une dernière fois, il y a plein de recommandations sur le shop Youku Cuisine. Vous pouvez quasiment tout trouver, tout ce que je vous ai montré à travers cette vidéo. Et au-delà de ça, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker, la partager à des personnes qui aiment la cuisine, pourquoi pas, mais au moins la liker, ça serait cool. Donc dans tous les cas, on se retrouve très prochainement, tous les mercredis, pour une nouvelle vidéo à 17h. Et comme d'habitude pour les streams, le planning change un petit peu en ce moment. Je vous tiens au courant, dans tous les cas, sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace commentaires YouTube. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Allez, sur ce, eh bien, bah, je vais réellement aller faire à manger dans pas longtemps. Je vous embrasse. Ciao !